aucune arme forgée contre vous ne va prospérer. No weapon formed against you can prosper. Au nom de Jésus. Je viens vous restaurer. J'appelle votre mémoire à la vie. De cas que tout ce que vous avez oublié revient à vous. Je ramène à vous votre mémoire, vos armes de combat, vos outils spirituels. Tout poison qu'on a mis dans votre corps, je commande à ce poison de se dissoudre et de sortir au nom de Jésus. Tout oiseau de nuit, ils arrêtent souvent sur votre toit pour vous faire du mal. Je déclare que vous êtes désormais introuvable pour eux au nom de Jésus. Je commande la mort de toute personne qui œuvre jour et nuit contre vous au nom de Jésus. Je viens annuler tout verdict maléfique qu'on a déposé sur votre vie. Toute personne qui fait des incantations chaque matin, qui nourrit des hôtels chaque matin en parlant contre vous. Toute personne qui fait des libations chaque matin, il se lève, il parle seulement contre vous. Il passe sur votre page, il check ce que vous avez fait. Je viens percer les yeux de ces personnes. Je viens casser leur boule de cristal au nom puissant de Jésus. Toute faiblesse, toute flèche qu'on a lancée sur votre cœur. Tu n'as plus le cœur de porter tes projets pour les mettre en pratique. Même si tu es en association avec des mauvaises personnes, je déclare que c'est toi qui as le dessus. Je déclare que c'est toi qui as le dessus. C'est toi qui as le dessus. Au nom de Jésus. Tout bailleur maléfique, toute maison maléfique dans laquelle vous vivez, je commande que ces entités négatives vous laissent partir. Je vous libère de cette maison. Vous trouvez un autre logement, vous partez. Vous avez demandé la maison depuis 6 ans, vous attendez. Je libère votre demande. Je déclare qu'on vous donne le logement avant la fin de ce mois, au nom puissant de Jésus. Il y en a parmi vous, on a juré que votre business ne va jamais augmenter. Ça fait 5 ans. Tu avances, tu es au même niveau. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Je vous enlève des sables mouvants dans lesquels vos ennemis vous ont mis au nom puissant de Jésus. Je vous sors de ces sables mouvants. Je déclare que vous n'êtes plus immobilisé. Je déclare que quand vous bougez, vous n'avez pas l'impression de vous enterrer, de vous enfoncer. Je viens soigner le mal de tête. Je soigne le mal Dieu qu'on a mis sur vous. Déposez la main sur la tête. J'enlève tout voile mystique qu'ils ont mis sur vous. Vous vous couvrez. Pendant que vous dormez, il y a des gens qui ne dorment pas. Je vous redonne la force pour prier. Je vous redonne la force pour jeûner. Ceux qui vont écouter ceci, jeûnez aujourd'hui. Jeûnez à partir d'aujourd'hui. Je vous remets la force en vous pour pouvoir jeûner. Au nom de Jésus. Si tu dois partir, tu pars. Je suis en train de faire une vidéo. Je viens contre les distractions. Je viens contre toute distraction que l'ennemi met sur vous. À chaque fois que tu te lances, tu dis que je vais faire tel travail spirituel. Ton argent disparaît. J'enlève toutes les distractions. Tous les découragements qu'on a envoyés dans votre direction depuis toutes ces années. Écoutez, la bataille sera plus rude les jours-ci. Les jours-ci là, c'est pas la blague. Je vous dis,
Certains d'entre vous, on va vous dire carrément de ne plus me suivre. Même moi, on va me dire de ne plus faire les vidéos. Parce qu'ils savent que leur emprise qu'ils avaient sur vous est en train de partir. Ils savent que tout ce qu'ils avaient sur vous là, vous dites que vous êtes devenu sage. Et ce n'est que le début. Je viens fortifier votre esprit. Déposez la main comme ça sur le front. Les deux doigts, si vous mettez là et là. Si vos deux mains sont libres, vous mettez les deux doigts ici. Je commande à toute pensée maléfique qu'on lance dans votre esprit de disparaître maintenant. Tout casque spirituel démoniaque qu'ils ont mis sur votre tête, sur votre visage. Tu te réveilles le matin, tu vois à côté de ton lit, tu vois peut-être les choses que tu dis, mais ça sort d'où? Tu vois les choses sur ton corps. Tu te réveilles avec les douleurs. Je commande votre guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit serpent, python. Parce qu'il y en a qui dominent carrément les régions. Tu te lèves le matin, c'est un esprit qui opprime tout ton quartier. Je m'attaque aux esprits territoriaux de votre coin. De votre quartier, de votre ville. Je commande qu'ils vous laissent partir. Au nom de Jésus. Cette cloche, c'est pour dire que leur temps est arrivé, qu'ils partent. Tout démon dans votre corps, quel que soit l'endroit où il est planté, dans votre utérus, dans votre nuque, dans votre front, dans le cou, dans le dos, mettez la main sur la partie là. Je commande maintenant à tous ces esprits de se désintégrer et de quitter votre corps au nom puissant de Jésus. J'enlève la lourdeur. Tu as la lourdeur, tu veux prier, tu sais que tu vas prier. J'enlève la gourmandise de ton ventre. Tous ces pains qu'on a mis dans ton corps, un homme avec lequel tu as couché, tu as pris cet esprit de paresse spirituelle. Je viens t'en délivrer. Je fortifie ta chair. Je fortifie tes os. Je te fortifie. Je déclare que tu ne vas pas commencer quelque chose que tu vas laisser en route. Tout projet que tu as commencé, même si c'est la maison que tu as commencé à construire, reçois la force pour finir cette maison au nom de Jésus. Reçois la force pour finir cette maison au nom de Jésus. Reçois la force pour finir cette maison au nom de Jésus. Tout rassemblement maléfique qu'ils ont fait sur toi, on amène ton nom dans la réunion. On amène ton nom dans la réunion. On te travaille dans la réunion là, tu ne connais même pas. Toute réunion maléfique dans laquelle on vous a amené. Et là où on est en train de sucer votre énergie. Là où on est en train de prendre votre argent pour aller utiliser et faire des incantations. Je brise ces mauvais sorts de votre esprit au nom puissant de Jésus. Je brise ces mauvais sorts de votre business. Toute personne qui est venue prendre votre voix. Tu te ta gorge te fait mal. Tu te tu peux parler, la voix est partie. Mettez la main sur le cou. J'utilise votre main comme point de contact. Je commande à mes anges et à vos anges de désintégrer tout cafard qu'on a mis dans votre gorge. Tout asticot qu'on a mis dans votre gorge. Toute glaire qui vous empêche de parler. Toute glaire qu'on est venu, on a déposé. Tout esprit serpent qui est dans votre gorge, ça descend dans l'estomac, ça remonte. Je viens commander qu'il se désintègre au nom puissant de Jésus. Amen. Toute peau de crocodile, peau de lézard qu'on est venu mettre sur votre visage, qu'on est venu mettre sur votre corps. Toute personne qui est venue, attaque mystique, la moitié de ton corps, tu ne sens plus ton corps. Je te commande de te lever de ce lit de mort au nom puissant de Jésus. Je te commande de te lever de ce lit de mort au nom puissant de Jésus. Je te commande de te lever de ce lit de mort au nom puissant de Jésus. Jésus s'est mis dehors dans la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Je t'appelle. Tout ce que dans le camp on t'a déjà mis.
Tu dors, tu vois que la mort. Tu dors, tu vois que la mort. Tu dors, tu vois que la mort. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, avec la force de mes ancêtres, je te sors de tout cercueil qu'on a déjà mis pour toi. Toute tombe qu'on a creusée, on t'a déjà mis dedans. On a enterré ton business. On a enterré ta beauté. On a enterré ton... Tu t'es mince avant, tu t'es slimé. Je viens percer tout ballon qu'on a mis sur toi. Je te dégonfle maintenant. Les ventes qui sont gonflées là. Tu fais n'importe quoi, tu te réveilles à 6 heures, ton ventre est gros. Je viens dégonfler ton ventre. Au nom de Jésus-Christ. Et Anna, vous avez senti beaucoup de nausées ces derniers temps. Tout vert serpent mystique dans votre ventre. Tu laisses comme ça, ton ventre gonfle seul. Après ça se dégonfle. Après ça gonfle. Après ça se dégonfle. Je commande la décomposition et la destruction. La désintégration totale et entière de tout serpent ou tout ver qui est dans votre ventre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute personne qui a essayé de vous suffoquer. Parfois, tu te lèves dans la nuit, tu étouffes. Tu tousses, tu tousses, tu tousses, tu tousses. Je te délivre maintenant. Je te délivre de cet esprit. Au nom de Jésus. Tout eau qu'on a mis dans tes poumons pour t'empêcher de respirer. Je te délivre maintenant. Je commande que tes poumons se libèrent. Au nom de Jésus. Depuis quelques jours, le Seigneur vous dit de jeûner. Donc on va lancer le jeûne aujourd'hui. On lance ce jeûne-là aujourd'hui. Si vous êtes vraiment radical, faites le jeûne sec. 3 jours. Donc, je vais chercher le message que j'avais pour vous. Je demande la sagesse. Et je demande les paroles appropriées pour pouvoir passer ce message. Je reçois l'assistance de mes ancêtres. J'active ma protection angélique. Je déclare que toute âme forgée contre moi pendant ce direct est sans effet. Thank you.
Les heures, c'est 6 heures, 12 heures, 18 heures, minuit. Le Seigneur m'a demandé de vous dire ceci. Votre récompense est en train d'arriver. Beaucoup d'entre vous, depuis que vous êtes tombés sur mes vidéos, votre esprit s'est ouvert. Une femme est quittée hier de Yaoundé. J'ai fini tout jusqu'à 17h30. J'ai dit qu'on a fini la journée. Elle arrive en fracas, elle m'a dit pardon. J'ai été bloqué, bloqué, bloqué. Je prends la voiture, on a des problèmes en route. Je pars même pour retirer l'argent à la machine. La machine avale même ma carte. Donc, elle dit que me voici, que j'ai dit que je venais te voir. Depuis quelques jours, elle fait qu'elle dit que la bataille pour vous sera très rude. Avant, vous traversez la bataille, mais vous ne saviez pas que vous étiez en train de dans une bataille. Parce que tu pensais que tu étais impuissant. Voilà, ils me font ça, ils me font ça. Oh, on m'a encore attaqué. Oh. Tu imagines, tu as ton activité, un jour tu viens ouvrir, tu vois on est venu lancer le varan devant ta boutique. Ça n'a même pas de sens. Non? Un varan vivant. Qu'on est venu faire les incantations jusqu'on a déposé que l'animal. Et à partir du jour-là, toutes tes choses tombent. Ça tombe. Avant, vous pensiez que vous étiez impuissant. Les gens n'en aiment même pas parce que maintenant, je vous mets toute la vérité dehors. Tout. Je mets que Hoa. Ils ne peuvent rien contre vous. Je vous ai donné les outils spirituels. Pour certains d'entre vous, vous allez même m'écouter même 6 mois avant de commencer à vous laver avec le sel. Écoutez seulement. Parce que vous revenez de loin. Certains d'entre vous êtes dans un trou. Que tu étais à 6 km sous la terre. Depuis que tu m'écoutes, tu es maintenant à moins 3 km. Continue seulement à écouter. Continue seulement à faire. Continue à faire tes prières. Les psaumes que je donne là, ne blague pas avec les psaumes. Parce que chaque fois que tu pries, un truc quitte sur toi, ça tombe. Un truc quitte. C'est comme si tu te lavais, non? Tu as fait le sport, tu as sué, tu es sale. Tu laves un orteil, la saleté quitte. Tu laves le pied, la saleté quitte. Tu laves le genou, la saleté quitte. Tu laves la cuisse, la saleté quitte. Tu laves le ventre, la saleté quitte. Vous êtes en plein nettoyage. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Donc, je suis là pour vous dire que votre saison de bataille, malgré le fait que c'est en train de se passer, votre récompense arrive. Malgré le fait que votre saison de bataille est en train de se passer, votre bénédiction est déjà là. Votre récompense. Certains d'entre vous, vous avez frôlé la folie. Vous avez frôlé la dépression. Souvent, tu restes comme ça, c'est comme s'il y a 50 flèches qui viennent sur ta tête. Tu peux même seulement prendre l'eau, tu laves ta tête. Tu ne comprends pas. Les attaques, les batailles. Écoutez-moi bien. Bataille n'était pas en vain. Vous avez déjà rempli toutes les conditions. Vous avez déjà traversé, donc vous avez coché toutes les cases. Pour certains d'entre vous, vous allez rester au sala. Tu vas rester au sala, même pendant le jeûne, si. Tu vas vomir, tu vas sortir de ton ventre comme ça. Là.
que c'est ta libération comme ça. Les gens qui vous jalousent ne connaissent pas les batailles que vous avez traversées. Yes, Jocelyne, tu transperçais le mur en brique. Ta puissance spirituelle est en train de monter. Votre récompense est en train d'arriver. Pour certains, vous pouvez boire de l'eau. Mais je vous conseillerais de ne pas boire de l'eau. Vraiment sec. Quand c'est le sec, là, c'est encore plus dur. Le sec, là, ce n'est pas la blague. Tu vois, là, ta bouche est sèche. Voilà. Et pour l'autre, si là, vous allez vous lever à minuit, faire la prière. Par la grâce de Dieu, je vais faire des directs à 16h, là. Vous engagez la prière à minuit. Je pense que je vais faire ça sur Zoom plutôt. Donc, ceux qui veulent faire ceci, je crois qu'il faut m'envoyer les messages inbox. Parce qu'il y a les déclarations que je ne peux pas mettre sur Facebook. Quand vous priez, il faut aussi prier pour moi. Parce qu'il y a des Decepticons qui ne veulent pas que je fasse ce que je fais. Mais vous savez que vous ne pouvez rien, non? Vous savez, non? Voilà. Une autre fille. Vous ne pouvez rien. Qu'est-ce que j'ai mangé? Vous ne pouvez rien. Votre récompense est en train d'arriver. Vous ne devez pas abandonner. N'abandonne pas ton bain d'urine que tu fais là. N'abandonne pas ton bain de, le bain de sel que tu fais. Vasti, si tu ne supportes pas, ne fais pas. Ouais, Seigneur, ne pas venir me déranger. Si tu as mal de l'estomac, si tu as mal de ceci, tu as le diabète ici, ne fais pas le jeûne. Joins-toi aux prières qu'on va faire, mais ne fais pas le jeûne. Votre récompense est là. Ceux qui vous oppriment se sont soumis à des forces démoniaques. Mais vous, vous avez choisi la pureté de cœur. Malgré le fait que, avant même quand vous ne connaissez même pas toute la bataille que vous avez traversée, mais vous étiez toujours en train de les bénir, en train de les aider. Ah, que Dieu te bénisse. Ça va aller. Comprenez que ce n'est pas vous qu'ils attaquent. Ils s'attaquent à Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous a découragé sur le travail de Dieu. Vous avez backup. Vous avez backup. On vous la reine Colette. On dit arrête ça. On veut fermer ta voix. Pourquoi tu ne parles pas? On vient, on attaque un peu un de tes enfants, ils tombent malades comme ça. Là, tu dis, hé. Hey. Non, je ne fais plus, je ne fais plus. Non, 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 je ne soigne plus. Non, je ne fais plus. Pour certains d'entre vous, on a enlevé le goût, votre vigueur que vous aviez, le zèle là, c'est parti. Donc on commence le jeûne là. Maintenant, ça prend effet immédiatement. On va faire les prières 12h, 18h, minuit. 12h, 18h, minuit. 12h, 18h, minuit. Pour certains d'entre vous, le Seigneur va restaurer votre puissance. Il va restaurer votre puissance. Certains d'entre vous, on vous a attaché comme ça. Tu es comme ça. Avant, je prophétisais. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, je prophétisais. Avant, je pouvais voir les... Après, c'est parti, non? Écoutez, ça, c'est pour réactiver.
Si vous vous sentez opprimé, sachez que ce n'est pas vous qu'ils attaquent. Si Dieu t'envoie, il dit pas là-bas, dit donne telle nouvelle à telle personne, tu peux donner. Est-ce que c'est toi qui a pensé à la nouvelle? C'est Dieu, non? Donc, si la personne se fâche, écoutez, ils ne peuvent rien vous faire. Comme je vous parle, il est 6h50 dans mon pays. Donc, c'est avec ce fuseau horaire que je vais travailler. Allez en ligne, vous cherchez, ne me donnez pas le travail. Vous venez en retard, vous venez en laissez les parler d'abord. Donc, si vous faites face à la pression, beaucoup de pression, vous êtes juste un messager. Vous êtes juste un vaisseau que Dieu utilise pour aider les gens, conseiller les gens, guérir les gens. N'ayez pas peur. Isaïe 54, verset 12. Bannis l'inquiétude. Je chasse la peur de votre cœur. Dieu a suivi vos arrières. Vous devez vous répéter ça tout le temps. Dieu me protège. Dieu me protège. Dieu me protège. Dieu me protège. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Répétez cela. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Il est temps que vous viviez la Bible. Il est temps que vous croyiez la Bible. Les prières, vous allez écrire, on va. Ceux qui sont dans le groupe, j'ai un groupe WhatsApp pour les choisir. Donc c'est aussi le groupe là qui est publié. Vous écrivez seulement sur WhatsApp. Vous dites que je vous voulais être mis dans le groupe. On va vous intégrer dans le groupe. Parce que déjà les prières qu'on va faire là, je ne vais pas faire ça sur Facebook. Le mauvais côté de Facebook, c'est que tout le monde peut regarder. Donc arrêtez avec la paresse que vous dites que oh, je voulais te contacter depuis 7 mois. Tu ne m'as jamais contacté. Tant pis pour toi. Tu veux que Dieu m'amène dans ta chambre? Tu veux que je vienne à tes rêves pour te parler? T'inquiète, elle est venue cette nuit. La dame qui est arrivée hier venait de Yaoundé. Elle me dit, avant-hier nuit, elle se couche. En se couchant pour dormir, elle dit, Seigneur, je vais devoir vous sélectionner pour mettre dans le groupe parce que sinon j'aurai les décepticons dans le groupe aussi. Elle me dit qu'en se couchant, elle a dit, Seigneur, si effectivement je dois aller voir la dame Seigneur à Douala, il faut que je la voie dans mon rêve cette nuit. Elle dit que toute la nuit, elle n'a rêvé que de moi. Jusqu'au matin. Ah, pour terminer le rêve à 4 heures, je lui dis que viens ou pas. Elle se réveille. Elle dit que là, elle se réveille, elle n'écrit pas. Vous n'avez pas de deadline. Vous n'avez pas de deadline, ça veut dire quand tu dis que voilà là où ça s'arrête. Vous devez avoir l'endroit où dit que c'est fini. Comme j'entre dans juillet, mon business là, le chiffre d'affaires que j'avais pensé que je devais faire dans 5 ans, je vais faire ça ce mois de juillet. Envoyez un message à un des groupes de téléphones WhatsApp. Vous dites que vous voulez qu'on mette dans le groupe. Le numéro c'est le 6 93 50 22 66 pour le Cameroun. Il y a encore un autre numéro camerounais, 00237 680 71 0701. 680 71 0701. Christelle, écoutez, voilà les numéros qu'elle a donnés.
Cherche, tu viens, tu écris. Je suis parti vous vendre un produit. Arrêtez. Quand les gens veulent vous maudire, ils partent chez les marabouts à l'est. Tu attends qu'ils te contactent. Ils te lient. Arrêtez-moi ça. On vous tape, on vous cabosse dans les rêves. Certains d'entre vous, quand vous allez sortir de ces 3 jours de jeûne, vous allez décider de faire un régime pour maigrir. Je vous donne la puissance. Écoutez bien. Ce jeûne, c'est pour avoir la puissance financière. Le contrôle sur ton corps. Le contrôle sur ton environnement. Il y en a parmi vous que vous attendez la maison depuis 6 ans. Jouez si vous allez déménager. Jouez si. Mohamed, je ne donnerai pas le lien du groupe. Ah non, non. À un moment, j'ai eu les Decepticons dans mon groupe. J'ai dit non, jamais. Tu dois m'écrire avant que je te mette dans le groupe. Je fais le groupe parce que je t'ai fui Facebook. Ce n'est pas maintenant laisser tout le monde entrer à mon groupe. Non. Vous êtes un vaisseau que Dieu est en train d'utiliser pour toucher les gens autour de vous. Certes, votre business vous donne de l'argent, mais vous inspirez les gens. Vous redonnez de l'espoir aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Vous faites renaître l'espoir dans leur vie. Dieu assure vos arrières. Restez concentré. Le Seigneur vous donnera la direction. Il ouvrira les portes. Il va ouvrir les écluses des cieux sur vous. N'ayez pas peur. Écoutez, vous allez être m'attaquer physiquement. Certaines personnes vont venir. La personne n'a jamais dans ton magasin. Tu viens faire quoi ici? Non, bam, la personne vient. Les gens vont vous attaquer physiquement. Physiquement. C'est parce qu'ils ont vu l'onction sur vous. Ils ont vu l'onction sur vous. Donnez pas peur. Vous devez décider que c'est la fin de certaines choses dans votre vie. Vous chassez l'inquiétude, vous chassez le doute. Et quand vous allez commencer, ils vont voir. Parce qu'ils vous checkent. Ils vous checkent.
Voilà, depuis que tu marches avec, ça s'appelle bâton de commandement, Jocelyne. Ça ne s'appelle pas bâton d'ébène, c'est bâton de commandement. Bâton de commandement. Et vous devez sortir de... de la confusion, de la paresse spirituelle. Vous n'êtes pas ferme dans ce que vous voulez. Tu n'es pas décidé. Tu ne veux pas quelque chose, tu pars. Est-ce que je dois faire? Tu fais la danse des mafias. Le jeûne, c'est là. C'est pour enlever toute trace de paresse dans ton corps, toute trace de doute, d'indécision. Demande que le Seigneur te purge. Ceux qui sont dans la ville de Douala ou bien dans les villes voisines là, demandez qu'on vous donne le. Il y a une poudre de deux envoûtements. Faites bouillir ça. Pendant le jeûne, si vous allez boire que ça. Premier jour, deuxième jour, on boit. Troisième jour, on se purge avec. Certains d'entre vous, il y a des choses dans votre ventre qui vont sortir. Je ne sais pas pourquoi ils voient trop l'affaire de ventre là. Ça, c'est pas pour les gens qui ont le cœur faible. C'est pour les strong-hearted. On appelle ça strong-hearted. Voilà. Pendant ce temps aussi, vous allez avoir beaucoup de visions. Parce que beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes appelés à faire sur la terre, le Seigneur va vous montrer en vision. Vous allez, si vous pouvez, prenez un peu du temps off. À Yaoundé aussi, on vend le même produit. Cette poudre-là, il y a ça à Yaoundé. Vous commandez, sachez la dame de Yaoundé. Donc, on va s'assurer qu'elle est ça aujourd'hui déjà. Pendant ce jeûne, faites l'effort, écoutez beaucoup de mes vidéos. Mon numéro de Yaoundé, c'est le 0, pardon, le 655 31 0750. 655 31 0750. Même si vous voulez qu'elle vous mette dans le groupe, elle pourra vous mettre dans le groupe. Donc je viens restaurer en vous la décision, la volonté pour faire ce qu'on a dit. Je viens aussi ouvrir vos yeux spirituels et vos oreilles pour que pendant cette période de jeûne, que le Seigneur vous montre des visions de ce que vous allez faire, qu'il vous donne des messages clairs et précis. Je déclare que tout voile qu'on avait mis sur vous est retiré. J'appelle vos opportunités. J'ouvre vos portes. Je déclare que ce que vous y a dans votre cœur, que vous allez mettre sur votre liste, vous allez demander à Dieu. Parce que sans le savoir, vous avez appris à prier. Depuis que vous me suivez, vous avez appris à demander à Dieu. Avant, vous disiez que, oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis mes enfants. Maintenant, vous avez appris à demander spécifiquement. Tout ce qu'il y a sur votre liste, je déclare que dans les 3 mois qui arrivent, vous allez les avoir. Je viens accélérer le temps.
J'accélère le cycle du temps dans votre vie. Au nom de Jésus. Je vous fortifie donc, et puis on va se. Pour ceux qui sont inscrits dans le groupe, on va se parler à midi. Donc, midi, on va lancer la prière sur Zoom. Donc, vous allez vous sortir vos passeports. Ceux qui ont demandé, qui vont lancer les procédures, attendent depuis. Dans ces prières-là, on va prier sur vos passeports. Si vous avez les titres fonciers et tout comme ça, vous sortirez ça. Même si on oublie ça. Rappelez-moi sur Zoom quand on se rend à faire les prières. Voilà. Il est temps que les choses bougent dans votre vie. Il est temps qu'on arrête de se moquer de vous dans votre famille. Il est temps qu'on arrête de dire la fille a pris tous les jours, on ne voit pas là où ça part. Il est temps qu'on arrête de dire, oh là, regardez là. Et même d'être tous les jours. Que tes créanciers, ils courent derrière toi tous les jours, ils t'insultent, ils te manquent de respect. Ça doit s'arrêter, ça doit finir. Et il est temps que ton magasin que tu as pris depuis là, que tu ouvres le magasin là finalement. Il est temps. Il est temps que tu lances ton business que tu veux lancer depuis 4 mois là. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé. Écrivez ça. Le moment est arrivé. Je rappelle que quand vous allez entrer dans mon groupe, je ne publie pas dans le groupe là tous les jours. Hein. Je mets beaucoup de contenu ici là plutôt sur Facebook et puis tous les autres réseaux. Je ne publie pas dans le groupe tous les jours. Comme là maintenant, ça fait même un mois que je n'ai pas publié dessus. Donc le moment est arrivé. Voilà. Tant que tu ne pousses pas dans ton esprit, tu vas toujours être arrêté. Tant que tu ne pousses pas, tu vas dire que c'est bon. Enough is enough. Voilà. Je viens bénir votre jeûne, je chasse les tentations. Je déclare que toute tentation qui viendra, vous serez à la hauteur de surmonter cela au nom de Jésus. Toute chose que vous voulez arrêter depuis, tout mauvais comportement, je viens contre l'esprit de masturbation. Je déclare que pendant ce jeûne, l'esprit de masturbation vous quitte pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Je suis avec les hommes mariés. Tout le temps, on marie. Toi-même, tu veux partir après, ton cœur dit encore que, ah, pourquoi pas. Toute situation inconfortable et indécente dans laquelle tu t'es mise, je déclare que tu en sors pendant ces jours de jeûne. Au nom de Jésus. Amen. Donc, décidez de vous relever. Je me relève de toute chute. Je suis en train de vous envoyer les liens pour entrer dans le groupe là. Je me relève de toute chute. Il y en a parmi vous avez chuté. Tu pries avant.
Ça fait même 5 ans, hein. Même si ça fait 15 ans que tu priais, le Seigneur te restaure. Voilà. Donc, quand vous finissez ça, avant qu'on ne commence à 12 heures, on va faire la première prière à 12 heures. Écrivez déjà ce qui doit s'arrêter dans votre vie. Première chose. Écrivez ce que vous voulez. Sur 5 ans. Genre, en 2027, je me vois en train de noter ça sur le papier. Là. Osez demander. Ah oh, non, je suis déjà trop endetté. Ah, comment il peut payer 15 000 euros de dette? Laissez ça. Si c'est annulation de dette revendiquée. Je viens bénir, même pour ceux qui feront le jeûne seulement de 6h à 18h, je bénis ce moment que vous prenez pour redresser votre vie, pour prendre le contrôle et les rênes de votre vie. Je bénis toutes les prières que vous allez dire, toutes prières que vous allez dire, je libère mes anges qui viennent vous assister. J'active votre protection angélique, que toute parole qui va sortir de votre bouche comme prière, tout vœu que vous allez émettre, je déclare que ça arrive directement devant le Seigneur. Toute barrière à vos prières, j'enlève. Au nom de Jésus-Christ. Tout travail spirituel que vous allez faire pendant les 3 prochains jours, je déclare que vous avez le dessus. Toute attaque contre vous, je viens les annuler. Je mets une protection angélique autour de vous. Vous êtes invisible pour les forces du mal. Pendant que vous jeûnez, ça fortifie votre volonté. Ça fortifie votre volonté. J'appelle le lion qui est en vous, qui se lève. Au nom de Jésus. Toute personne qui vous a mis à terre, dit qu'elle est finie. Tu es retourné en train de briser le maïs. Tu es en train de vendre les petites choses. 5000 francs le chiffre d'affaires chaque jour. Je te soulève. Jésus dit que quand tu jeûnes, lave ton visage. Ou en toi. Que quelqu'un ne te voit pas, il sait que tu es en train de jeûner. Comme Samson, je brise vos chaînes. La force qui est à l'intérieur de vous brise vos chaînes. Voilà. On ne peut pas vous arrêter. On ne peut pas vous dompter. On ne peut pas vous dominer. On ne peut pas vous bloquer. J'ai dit ceci, ceux qui ont la possibilité, prenez la poudre de désenvoûtement pour faire ce jeûne. On vend ça à Yaoundé et puis Douala. Même là-bas chez vous, ceux qui ont pris le kit de déblocage plus, il y a ça là-dedans. Donc ce sera un jeûne sec. On ne boit rien, on ne mange rien. Pendant 3 jours. Si tu es malade, tu es enceinte, ne jeûne pas avec nous. On priera à 12 heures. 6 heures, généralement, je serai en direct. 12 heures, 18 heures. Minuit. Apprêtez-vous. Si vous avez les donne-moi tout votre tout spirituel, la bâton de commandement, sortez tout ça. Si vous pouvez rentrer vite du boulot, ne restez pas dehors très tard, ne sortez pas. Restez à l'intérieur. Parce que votre vision sera restaurée. Je vais beaucoup enseigner pendant ces 2 jours-là.
Je vais mettre la puissance en vous. Je restaure votre puissance. Je déclare qu'on ne peut pas vous intimider. Toute personne qui a essayé de vous intimider dans le passé, j'enlève les pensées-là de votre tête. Je viens détruire et abolir ces pensées. Je déclare à certains d'entre vous en train de prendre les vous dominez maintenant les pays, les territoires. Votre business sera connu dans la ville où vous êtes. Votre business sera connu dans le pays où vous êtes. Votre photo sera sur les affiches dans votre pays. Vous allez avoir une domination territoriale. Au nom de Jésus. Amen. J'ai donné les instructions. Écrivez ce que vous désirez. Que ça change. Dans votre vie. Je suis en train de vous envoyer le lien du groupe. Entrez dans le groupe. Je vais publier dans le groupe seulement pour les 3 jours ici là. Ce n'est pas tous les jours que je publie dans le groupe. Mais pour les 3 jours de jeûne, je le ferai. Donc on se fera les prières sur Zoom. Je vais beaucoup enseigner. Je vais vous enseigner sur les batailles spirituelles. Selon ce que l'Esprit va me guider à vous dire. Voilà, il y a les lavages qu'on fera, le lavage à distance qu'on fera le premier. N'oubliez pas. Donc, on va faire le jeûne le 28, le 29, le 30. En entrant dans le nouveau mois, que vous avez enlevé les toxines sur vous, vous enlevez les mauvais esprits, les mauvaises idées. Et vous avez à parler dans votre mois de juillet. Vous allez aussi beaucoup dormir parce que vous allez faire beaucoup de rêves. Si vous avez la possibilité, c'est pour ça que je dis c'est bien de travailler pour soi. Si vous avez la possibilité, ne sortez pas, restez à la maison. Tu pries, tu écoutes des enseignements, écoutez ces enseignements que je mets, et puis tu dors. Et tu dois avoir le kayak à côté de toi. Elvira, tu dois écrire sur WhatsApp pour que je te donne le lien. Je ne mets pas le lien ici. Je vous bénis maintenant.